Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais gonfler un ballon Star Freestyle avec de l'eau et on va pouvoir faire des frappes du freestyle, ça va être incroyable les gars. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça va être un concept footballistique. On va faire quoi les gars? Tout simplement, on a un ballon Star Freestyle. On va prendre une pompe et on va rajouter de l'eau à l'intérieur. De l'eau les gars, et oui. Et en fait, le ballon sera du coup plus lourd. Mais est-ce que ça sera plus facile de tirer au cage et plus facile de jongler et de faire des gestes de freestyle? Je pense pas les gars. En tout cas, il me tarde d'essayer et de voir ce que ça donne. Juste avant les gars, je pense que le ballon à la fin, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il va rendre l'âme. Ça va me faire couler une ou deux larmes parce que je pense que l'eau à l'intérieur, ça va abîmer le ballon, mais tout ça je le fais pour vous les gars, donc sans plus attendre c'est parti. On a rempli un bac d'eau pour pouvoir mettre toute cette eau dans le ballon les gars. On va récupérer le ballon Star Freestyle, on va mettre une pompe à l'intérieur et on va pouvoir le gonfler et mettre l'eau à l'intérieur du ballon. C'est parti. D'ailleurs les gars, les ballons sont disponibles, le lien est dans la description. Bon, maintenant les potes, on va dégonfler le ballon Star Freestyle. On prend la pompe Star Freestyle, on prend l'aiguille Star Freestyle et on va dégonfler les gars le ballon tout simplement. Donc là j'enlève l'aiguille, let's go, on la récupère et on va dégonfler le ballon et on va se mettre dessus comme ceci avec le genou. Et voilà les potes, on a dégonflé le ballon et on va gonfler le ballon pour que l'eau se retrouve à l'intérieur du ballon. En gros, c'est comme si on gonflait avec l'air, mais cette fois-ci, on va gonfler avec de l'eau, les potes. C'est le dernier moment pour le ballon Star Freestyle. On va te mettre dans l'eau, mon petit. Allez, c'est parti. Ok les gars, du coup là il y a Star Freestyle qui a mis la pompe dans l'eau et en gros il va gonfler petit à petit. Il y a l'eau qui va rentrer dans la pompe et de la pompe ça va aller dans le ballon tout simplement. Alors les gars, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est ultra dur à gonfler, mais là c'est super dur à gonfler le ballon. L'eau elle met pas mal de résistance et c'est plutôt compliqué. On va réussir hein, mais ça va être long. Et voilà les gars, on vient de gonfler le ballon avec de l'eau à l'intérieur. Donc le ballon Star Freestyle en eau les potes, tout simplement les gars, le petit test, regardez. Déjà ça commence les gars. Le ballon il s'est arrêté en 2 secondes les gars, enfin 2 secondes, 2 rebonds surtout. Et c'est incroyable, il me tarde trop de faire des grosses frappes avec. Et aussi un peu de freestyle parce qu'on kiffe le freestyle. Donc j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe. Et dans ce test les gars, on essaiera entre un ballon Star Freestyle normal gonflé à l'air et un ballon Star Freestyle gonflé à l'eau. Maintenant on va mettre une patate dans le ballon Star Freestyle avec de l'air. Et ensuite on testera avec le ballon rempli d'eau. J'espère que mon pied est solide, c'est parti. Allez, le ballon normal les gars, on va poser ce ballon, c'est parti. Donc là, oh normal, c'est carré comme on dit. Maintenant on va essayer avec le ballon Star Freestyle rouge rempli d'eau les gars. Et là j'ai un peu peur pour mes pieds. C'est parti les gars, je le fais pour vous. C'est parti. On se concentre. Ah, les gars ça déboîte vraiment, c'est un truc de ouf. Et non, le ballon est une pierre les gars. Il doit peser, quand j'ai tiré ça devait faire un bon petit kilo sur le pied. En tout cas ça fait un peu mal les gars. Maintenant on passe au jonglage. Le jonglage les potes, on connaît tous. Là par exemple 5 petits jongles. C'est tranquille les potes, un ballon Star Freestyle normal, c'est nickel. Mais le ballon avec de l'eau, comment ça va se passer? J'ai peur pour mon pied, mais les gars, on le fait pour vous, c'est parti. 1, 2, 3. Les gars, 3 jongles, regardez la trajectoire, c'est ouf. Attends, mais les gars, on est à 2 jongles. On va essayer de faire les 5 jongles. 1, 2, 3. En vrai, ça va les gars, ça fait pas trop mal au pied. Je m'attendais à pire. Par contre, regardez, je peux même pas la taper. Et vous imaginez, les gars, on fait 1€ un jongle, mais tu donnes un ballon comme ça aux gens qui savent trop bien jongler. Ça serait trop drôle. 3, 4, 5. Oh, c'est réussi, les gars. Validé. Let's go. Au tour du caméraman d'essayer le ballon avec de l'eau et de me dire ce qu'il en pense. C'est parti. Allez, on va commencer avec le ballon jaune là où il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Ça va, les gars. Il gère. Ok, ça c'est validé. Maintenant, on le teste avec le ballon Star Freestyle rempli d'eau. Allez, les gars, on va voir ce qu'il en pense de ce ballon rempli d'eau. C'est parti. Oh, mais t'es chaud. J'en ai fait 5 là. Non, il en a fait 4. Bon, les gars, c'est ultra compliqué de jongler avec. J'ai quand même réussi à en faire 4. Allez, les gars, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à en faire 5? Est-ce que tu penserais pas que c'était un petit coup de chance au début? Je pense clairement que c'était de la chance. 4 jongles, le caméraman. Bon, les gars, on va voir si je peux faire mieux quand même en jongle. Et on va essayer de faire une dizaine de jongles. C'est parti. Mais ça va être dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wouh! Let's go, validé. En gros les gars, si vous voulez bien jongler avec ce ballon, le plus important c'est vraiment d'aller récupérer le ballon tout en haut. C'est à dire que vous jonglez, et là faut vraiment aller le chercher tout en haut avant que l'eau retombe tout en bas du ballon et l'emmène vers les profondeurs du sol les potes. On passe au freestyle, c'est parti. Freestyle life. Let's go! Premier geste test, le tour du monde. Ok, avec le ballon normal, ça va, c'est facile. Avec le ballon Star Freestyle rempli d'eau. C'est parti. Déjà les gars, c'est assez dur de lever la balle en hauteur.
Mais on va réussir. Validé, let's go. J'ai tellement galéré les potes à essayer juste de lever la balle. C'est vraiment compliqué quand même. Je vous l'avoue, c'est vraiment compliqué. On va passer au prochain geste, le crossover. Ça ressemble à ça, mais avec le ballon rapido. On va voir. Let's go, j'ai réussi les gars. Magnifique, trop dur toujours de lever la balle, mais c'est validé. Le blocage nick. Ça ressemble à ça, tout simplement les gars, avec le ballon avec de l'eau. C'est parti. Bon par contre là les gars, je trouvais que c'était plus ça parce que la balle elle a failli partir derrière. Mais comme il y a énormément d'eau à l'intérieur, ça a direct stoppé sur ma nick. Blocage, genou, ça ressemble à ça. Et avec le ballon rempli d'eau, ça ressemble. Validé les gars. Blocage mollet, ça ressemble à ça les gars. Hop. Facile. Maintenant avec de l'eau à l'intérieur les gars. Je pense que ça va vraiment être dur ce geste parce qu'il faut l'envoyer en hauteur. Ouh, on était pas loin. Faut essayer d'avoir le temps. Oh. Yes, validé. Let's go les gars. Maintenant les gars, on va passer au level supérieur, des gestes beaucoup plus difficiles. Et on va commencer avec un double tour du monde de ce style. Regardez bien les gars, Neymar il a déjà réussi. Et ça ressemble à ça tout simplement. Donc avec un ballon star freestyle, c'est tranquille, c'est facile. Mais en revanche, le ballon star freestyle rempli d'eau, ça risque d'être assez dur quand même les gars. C'est parti, on va tout donner. Les gars, je suis trop content, j'ai réussi. Mais hey, c'est incroyable, par contre les jongles c'est trop dur. Mais dès que le geste il part, tu te sens trop bien les gars. Ça me fait trop marrer, écoutez le bruit du ballon. C'est parti pour le jonglage assis les gars, le fameux jonglage assis avec un ballon star freestyle. C'est trop simple, mais avec le ballon rempli d'eau, on va voir ça maintenant les gars. Oh mais regardez cette trajectoire les potes. Oh, trop dur. Et c'est parti les gars, on passe à un geste de niveau supérieur, le jonglage avec les semelles des pieds avec le ballon star freestyle. Ça va être nickel, normalement ça va le faire les gars. Voilà, comme j'ai dit, c'est tranquille. Et encore il y a des crampons, du coup c'est plus dur les gars. Mais ça fait le taf. Maintenant on va passer avec le ballon star freestyle rempli d'eau. Là les potes, je le fais vraiment pour vous. Ça risque d'être dangereux pour moi. C'est parti pour jongler. Attention. On vient de terminer sur la partie freestyle. J'espère que ça vous aura plu les gars. Maintenant on passe au level des frappes les gars. Let's go. C'est quoi une frappe les gars? Regardez. Muchas gracias afición. Je te parle à vosotros. Ça les gars, ça s'appelle une frappe. Bon, on a touché la crossbar parce que nous on est plus dans la technique. Mais si je fais cette même frappe les gars avec le ballon rempli d'eau, je crois que je repars avec un pied tout bleu, c'est tout. Attends Star Freestyle, tu m'as montré ce que c'était une frappe, mais moi je t'ai pas montré encore. Bon, j'ai pas tout donné, je te l'avoue. Les potes, je viens d'avoir une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec le caméraman, on va s'affronter sur 3 crossbars chacun. Celui qui en mettra le moins devra commencer à tirer avec le ballon rempli d'eau. Et je peux vous dire, par rapport à la frappe que j'ai fait tout à l'heure en hauteur, ça fait quand même un peu mal, les gars. Donc, j'espère que je serai celui qui mettra le plus de crossbars pour éviter de tirer en premier avec le ballon rempli d'eau. Ok, les gars, donc c'est parti pour le duel contre le caméraman. Let's go. Allez, les gars, on commence. Première crossbar pour Victor. J'ai voulu viser la lune. C'est au tour de Star Freestyle de mettre la crossbar. Ok, il est aussi chaud que moi, donc j'ai encore toutes mes chances. Là les potes, on est pour l'instant à une barre ratée chacun. Moi je tire plutôt dans les buts parce que j'aime bien mettre des buts. C'était pas loin. C'est comme ça les gars. Du coup ça fait une crossbar pour Star Freestyle et 0 pour Victor. Il va te rester un essai. Si tu la mets et que je la rate, il y a égalité. En revanche, si tu la rates, tu perdras et tu seras le premier à tirer avec le ballon rempli d'eau. Au moins ce sera un honneur de tester le ballon rempli d'eau. Ce sera une première dans la vidéo. Mais bon, si c'est moi qui commence, pourquoi pas hein. De Victor. Et ça va être le premier à tirer avec le ballon rempli d'eau. Bon les gars, je vais pas vous cacher que je vais m'éclater le pied, ça c'est sûr et certain. Allez les potes, c'est à mon tour. J'ai envie aussi de tirer parce que c'est ça aussi les gars, les défis, c'est d'essayer, c'est de tenter et c'est de voir si c'est possible, si ça marche, si ça fait mal, si ça fait pas mal. C'est parti les gars, on va tirer avec le ballon star freestyle rempli d'eau. J'espère que ça va pas trop me faire mal à la cheville. Ah les gars, ça pique hein. Bon les potes, je vais tout donner, c'est pour vous. On va lâcher une frappe. Si ça doit me faire mal au pied les gars, ça fera mal, tant pis pour vous. Oh.
Ça défonce, mais en tout cas les gars, on a levé la balle, c'est le plus important. On passe maintenant au pénalty. Je me pose une question depuis tout à l'heure, ce sera plus compliqué pour le goal ou pour le tireur? Parce que la balle elle est remplie d'eau. D'un côté le gardien, ça peut être dur pour lui parce que genre la balle elle sera ultra lourde, mais de l'autre côté il y a le mec qui va tirer. Et ouais, genre il va s'éclater le pied aussi. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et les gars, il vient de mettre une super question. Est-ce que ça sera plus facile pour le tireur ou plus facile pour le gardien? Incroyable les gars, cette frappe magnifique. Magnifique. Les gars, je suis choqué. Les balles, elles étaient tellement bien placées que j'ai pu rien faire. En plus, le ballon rempli d'eau, il allait à 2 à l'heure. Mais en gros, elle a fait un poteau en sang, c'est ça? Genre vraiment, c'est inarrêtable. Non, franchement, c'est vrai que je me suis bien appliqué sur les frappes. C'est vrai que c'était dur aussi avec le ballon rempli d'eau, mais c'était de belles frappes. Bon, mais maintenant, c'est au tour de Victor, les gars. Allez, les gars, ça m'a tiré. Je vais essayer de mettre des frappes de précision parce qu'en gros, avec le ballon rouge, on peut pas frapper. Mais je pense que si on est précis dans la frappe, je pense qu'on peut la mettre. Ah, c'est vraiment dur, je vous promets. La frappe, faut vraiment genre y aller. Et en plus, le problème, c'est qu'en gros, si tu tapes dans le ballon, y'a ton genou, il peut pivoter, hein, je vous promets. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé des gens sur YouTube qui avaient fait ce challenge, en gros, un ballon rempli d'eau. Et par contre, les gars, ils mettaient des sales frappes dans les cages. Et je vous promets qu'un ballon rempli d'eau, les gars, vous pouvez même pas frapper dedans, c'est impossible. Ouais, j'avoue, c'est vrai que Chana, il disait qu'ils avaient mis de l'eau à l'intérieur. Ils te faisaient des frappes, les gars, comme avec un ballon normal. Si tu mets vraiment de l'eau, ta balle, elle part pas, les gars. Impossible, les gars, c'est impossible, je vous promets. Et voilà, les potes, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a tout donné pour vous faire kiffer les gars. Ballon rempli d'eau, il est sur le côté. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude les gars, c'est une super expérience. C'est un truc à tester au moins une fois dans sa vie les gars. Et du coup là, cette fois-ci, on l'a testé pour vous. Si vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé, à vous abonner et surtout à activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs les gars, mes ballons Star Freestyle, vous pouvez les retrouver dans la description. Et cette fois-ci, rempli d'air les gars, parce qu'avec Guéno, c'est un peu difficile. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao les boss.